Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkane. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de mon let's play sur le jeu Risen 3 Titan Lords. Je vous avais laissé à l'entrée de la caverne sur Antigua, on s'en souvient, hein. Je vous avais laissé après de magnifiques combats épiques et pas du tout en mode au secours, je vais crever. Et donc, on va visiter autant que faire se peut sans essayer de mourir. Ça signifie qu'on va compter énormément sur notre ami Bones. Oh quoi, il y en a encore? Tayo! Tel monsieur! Bones, il veut me taper! Arrête de bugger! S'il te plaît! Bones! Allez, là-bas! Là-bas, là-bas! Voilà! Vas-y, vas-y! Attaque! Attaque! Oh, ils sont deux! Ils sont deux! Depuis quand ils sont deux? Raté! Non, non, mais Bones! Bones! Mais qu'est-ce que tu fais? Maman! Ça fait mal, madame! Putain, la caméra qui foire! Vas-y, j'y vois! Non, mais j'y vois! Oh, le! C'est chiant! Voilà, si vous ne le saviez pas, c'est chiant! Bon, bonjour à tous et à tous, c'est Blarkane, on se retrouve pour l'épisode 6. Il s'est rien passé! Vous n'avez rien vu! Je ne suis pas mort du tout. Allez, Bones, fais un peu ton travail. C'est-à-dire me... Voilà. Voilà. Bien. Je respire pas. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en avait un autre là-bas? Eh ouais, donc c'est celui qui avait disparu la dernière fois. Hop. Donc en fait, c'est une question de timing. Aïe. J'ai dit que c'était une question de timing. J'ai dit que c'était une question de timing. Les comment ça s'appelle? We should split. Non. Allez. Come on. Les finishim sont vraiment sympas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez pour vous, mais les finishim, moi, je les trouve cool. Après, je suis peut-être dans une zone que je devrais pas aller. C'est fort probable. Il y a de grandes chances que ça soit le cas. C'est pour ça qu'on va sauvegarder. C'est pour ça qu'on sauvegarde et qu'on... Et qu'on s'enfonce dans la caverne. Sans savoir réellement si on va avoir un boss, il va y avoir quelque chose. Je sais pas, hein, je découvre comme vous. On est en mode épisode 6, exploration. This cave is new. I don't remember it. Ouais. Seeing something like this makes me wish I were fighting for the other side. Non mais vas-y. Non, tu restes avec moi là. Pas de traîtrise. Vas-y, Bot. Voilà. Baston. I'm going to make a hat out of your skin. I'm going to make a hat out of your skin.
je me fais défoncer par le premier truc venu. C'est chiant. Là-bas, il y a un portail. Ok. Bon, allez, Bones, se fait un peu de ton... ton travail. Seeing something like this makes me wish I were fighting for the other side. Vas-y, fais-le tomber. Fais-le tomber. Voilà, il est occupé. Et que des attaques puissantes, vous avez vu ça? Et voilà. Et boum. Tiens, voilà, ça c'est pour m'avoir fait des temps de chargement pour rien. Méchant. Méchant pas beau. Alors, par contre, on a un portail. Et personnellement, je le sens pas bien. Donc on va sauvegarder. Là, on va sauvegarder, et puis après, on va voir. On va voir, on va voir. Oh non, il y en a encore un. Mais... Allez, on la tire. Vas-y. Voilà, l'autre a disparu. Allez, Bones. Non mais Bones attaque la bébête. Voilà. Je suis pas là. Damn shadows. Où est-ce que je suis là? Ouh! 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 Ça fait mal! Ça fait mal, madame! Non, mais on a besoin d'un. Le monsieur, il est méchant! Ouh! Ouh! Couchez la bête! Couchez la bête! Non, j'ai dit couchez la bête! Coucher! Coucher la bête! Non mais t'es sérieux à me suivre jusque là? Hein? T'es sérieux? Je me casse! Voilà! Nickel! Nickel mes amis, nickel! Putain mais essaye de viser au bon endroit! Voilà. Voilà. Donc j'ai plus rien, j'ai plus de vie, j'ai plus... Voilà, voilà, voilà. On va y arriver, on va y arriver, je vous rassure. On va faire cette caverne. Vas-y, on va y aller par élimination consécutive. Et pour cela, on va sauvegarder. Ok, excuse-moi. Voilà, truc consécutif, on sait jamais. Il doit en rester un. Vas-y, Bones. T'es un dieu vivant. Je t'ai jamais aimé, mais t'es mon dieu. Dans ce Ryzen, t'es mon dieu. Sans toi, j'y arriverai jamais. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain d'enfoiré. Allez, Bones! Putain, Bones, il prend cher, mes amis! Allez, défonce-le, Bones! J'ai plus de vie, moi!
for a waste of prime sacrificial meat. Super. Du coup. On a une caverne qui est terminée et on a juste un portail. Ouais. On va sauvegarder. Ah bah oui, mes amis, là. Je suis désolé, je sais pas du tout ce qui m'attend de l'autre côté. Non. Moi, c'est tout? Vas-y, j'ai fait tout ça pour rien. T'es sérieux? Bon, au moins, on aura tué tous les ennemis de la zone. Ça, c'est un bon point. Mais a priori, je ne peux pas encore aller dans les cristaux, des portails de cristaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, très bien. Est-ce que je peux pas me téléporter, du coup, là? Hein? Y a pas un truc pour me téléporter? Ouais. Lame de l'ombre. Ouais. Alors regardez les palourdes, c'est vrai que je vous avais pas montré. Quand on fait ça, bah on peut choper des perles. Voilà. Là, j'ai pas mal de petits trésors là, vous pouvez voir là. Ouais, des trucs qui servent à rien aussi. Mais bon. On va continuer. Alors du coup, si je peux pas aller par là, faut que j'aille par où? Oh tiens, je peux déverrouiller ça. Ah bah, nickel. Nickel, ça passe. Ouh, lame de l'ombre. Mais c'est pas mal, ça, 20-40. Ça, j'aime bien, ça. Voyons voir. Équipement. 20-40. Et la mienne fait 15-50. Nickel. Au moins on aura cette épée. Ce sera toujours un peu mieux que ce qu'on a déjà. Allez. Oui, je vais beaucoup dans le menu. Ça vous dérange? Voilà, un peu plus de corps à corps. Oui, et donc je voulais aller dans le journal pour savoir ce que je dois faire. Un sorcier en saura peut-être plus. D'accord. Équipage, expérience de magie noire. Ouais. Jack, le gardien de phare. Là, j'ai Edward. Ouais, mais je sais pas quoi faire. L'île du tonnerre de Taranis, le druide de la baie de fer pourrait peut-être m'aider. Je vais peut-être aller à Calador. On a des quêtes à faire et puis j'aimerais bien rentrer dans la guilde des chasseurs de démons. Ça peut être pas mal. Vu qu'on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire sur Antigua, pour le moment, hein, je dis bien pour le moment. On va peut-être essayer de se stuffer un petit peu, sur un peu plus balèze, histoire de défoncer les gens. Donc voilà, donc dans ce Ryzen 3, ce qu'on peut comprendre à travers un peu ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà parlé, c'est que ça reprend les mécanismes de du 2. Ça, c'est certain. Mais on revient un peu aux sources des Ryzen, c'est-à-dire côté magie, côté démon, tout ce qu'il n'y avait absolument pas dans le 2. L'histoire et sa continuité avec les titans, ça c'est certain. Mais il y a beaucoup plus de choses qu'on avait perdues dans le 2 et qu'on va retrouver. C'est pour cela que ça ne sera pas que porté simplement sur de la piraterie. Ça, vraiment, on va revenir sur de l'heroic fantasy. Même si je n'ai pas fait Ryzen dans le 1, enfin sur ma chaîne.
Peut-être que je me laisserai tenter à le faire une fois que j'aurai terminé Razen 3. Histoire que vous ayez... la trilogie, en fait. Bon, pour ceux qui auront vu d'abord le 2, puis après le 3, et enfin le 1, voilà, quoi. Et pour ceux qui arriveraient, qui diraient « Oh, il a fait Ryzen ! Chouette ! Je vais pouvoir regarder le 1, le 2 et le 3. » Voilà. Et dans l'ordre chronologique, ça aurait été le 2, le 3 et le 1. On verra, on verra. C'est... Je parle au futur sans réellement savoir ce que je vais faire à l'avenir. Poupidoupidou. À bord ! Alors, est-ce qu'il est là, le charmant Edouard ? Salut, charmant Edouard. J'ai de la poussière d'homme. I've got some sort of soul dust here. Have you ever seen anything like it before? It's extremely valuable. You'll need it if you leave the path of humanity. You mean it can make people more human? How? Give me 5 portions of soul dust, and I'll be able to show you. Okay. Tell me a little more about your forebears. The Dark Warriors of Kalador were once the custodians of peace in these parts. They faded into obscurity, but they still exist. We are under threat from the shadows, and the green fires are burning. What do you think of this place? I'm surprised that nobody has laid waste to this place. Pirates are a pitiful, lowly people fighting for survival. But if you want to sail the seas, you have to come to some arrangement with them. Bon. Merci. C'est pas bon le chemin. Allez, gouvernail, levez l'ancre. Alors, Takaligua. Île des aigres fins. Talanis, Kalador. Île brumeuse, Kila. Ah, vous voyez ça, voilà. Taranis, Kalador, île brumeuse. Kila, c'est des îles que je ne connais absolument pas. Par contre... Antigua, Takaligua et l'île des Aigrefins, bah voilà, ça c'est des îles que je connais. Donc en fait, au lieu de partir par là, 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 et bah je vais aller à Takaligua en fait. Voilà, j'ai changé d'avis. J'ai envie d'aller voir Niol. Ça se trouve, je vais même avoir le système de, vous savez, de viser de. Comment ça s'appelle ? Le jeu pour tirer, ça va me faire peut-être gagner de l'argent. Vu que je m'en étais radicalement bien servi dans Ryzen 2 pour gagner de l'argent, monter mes compétences, ce genre de choses. Voilà quoi. Ça pourrait être épique. Donc là on dirait que c'est le phare de Jack. Mais ça c'était de l'autre côté de l'île. Donc Boats. C'est parti. Come on, let's... Of course. T'es plutôt balèze, t'as vraiment pas mal de choses. Pouah, je suis perdu là. Où est-ce qu'on a atterri? What? C'est assez grand. C'est très très grand même. Ok. On dirait qu'il y a une zone par là, il y a une zone par là. On dirait qu'il n'y a plus la zone des... On dirait qu'il n'y a plus la zone des bandits. Enfin, des pirates. Regardez, là, je pense que c'est le... Ici, là, voilà. C'est la zone de Jack. Ça, c'était la ville de l'Inquisition. Avec la plantation. Mais il n'y a pas l'air d'avoir le... Ah, c'est étonnant, ça. Il y a l'air d'avoir des trucs par là. Putain, je suis déçu, là. Enfin, je parle sans réellement savoir, vous me direz. Mais... Ça a un peu changé, quand même. Quoi, il y a des monstres? Oh non. Oh, je veux pas y aller, moi. Il y a des monstres partout.
va aller du côté d'où il fait beau. Hein? Oui, j'aurais pu prendre le canot, en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait du bien, une petite trempette, ici. Ah, il y a des messieurs. Elle est pas lourde. Il y a même des... Pouah. Oh yeah, bébé. Alors, essayons de piquer un peu tout ce que nous avons. We should split up. Non, non, non. Poupée vaudou. T'es qui, toi? C'est toi, Jack? Finally, somebody called for me. I What? Thought I'd been forgotten. Ouais, salut Jack. T'as un peu changé en termes de tête, hein. Personne ne m'envoie. Nobody sent me. Non, je viens tout seul comme un grand. Damn. I was hoping somebody would take care of the two soldiers up there. The vermin from the Inquisition just took my lighthouse. Even the pirates had more honor in their bones. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Takarigua? Qu'est-ce qui a changé? Tell me about Takarigua? J'aimerais bien savoir. Trade ouais. was flourishing when Governor De Fuego still ruled Puerto Sacarico. Now it's occupied by that damned Inquisition. I'd love to know what's going on in Puerto Sacarico. The last news I heard was none too happy. Sounds like they'll lynch any stranger. Intéressant. Ouais, voilà, les pirates n'étaient pas censés être ici. The pirates used to be on Takarigua. Ils sont où, ils sont partis? They're all gone, or dead. Their hideout in the east was Mince. Utterly destroyed. Nobody goes there anymore. The shadows control the land now. Mince. Bah, faudra passer jeter un coup d'œil en tout cas. A stranger the Inquisition want to string up. Well, I don't know much about him. He's supposed to be in league with the mages. The soldiers won't be pleased to see that. You should hurry if you want to save his backside. Ouais. Et c'est où, Porto, Where machin is truc? Puerto Sacarico, exactly? Hein? Northwest of here. But be very careful. Dangers are lurking everywhere on Takarigua. Right. So what's the quickest way to Puerto Sacarico? Go inland. Not far from here, you'll find a soldier called Vasco, who has set up camp in the north. His camp is on the direct route to Puerto Sacarico. Thanks. I'm sure I'll find it. But take good care. The jungle is perilous. T'inquiète pas, je la connais, moi, la petite paupiette. I'll have a look around in Puerto Sacarico for you. That's nice of you, lad. We don't get much news out here. Ever thought of breeding homing pigeons? Homing pigeons? Oh, forget it. Voilà. What do you know about the Inquisition? Donne-moi toutes les infos possibles et inimaginables. They used to just sit on their fat asses and leave us simple folk in peace. J'ai besoin d'infos. But since these skull caves have appeared, things have gone haywire. Their commandant, Sebastiano, sent out his scouts. But instead of doing their job, they've taken my lighthouse and are lazing about. Ça, c'est des relous, eh? About your problem with the soldiers. Any idea how I could drive them away? A few punches would be enough to scare off Tanner. But Holtby? You'd have to get some incriminating evidence. Just talk to him. Maybe something will arise. Okay. What's in it for me if I help you? Well, I don't suppose you'd have use for an old man's trousers. Look at me. I'm penniless. They didn't even leave me a bottle. T'as une belle épée, How tu me la donnes? Gold? Non mais pourquoi toujours de l'or? I'll give you as much as I can spare if you help me. Also, I can sell you some rum when I get my lighthouse back. Je veux ton épée, moi. I'll do it. Good. You'll find them on constant patrol.
I'm just too old, and I want to be left alone. I'm looking for a pirate called Patty. Patty? Ah, you're not talking about Steelbeard's daughter, are you? What? Exactly. You know her then? She was here a while ago, but didn't stay long. As far as I know, she sailed to Keela with a gang of pirates. I hope this will help you in your search. Ok, merci Jack. Bon, 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 bon. Le phare, il est là-haut. Si on s'en rappelle bien, le phare il donnait donc sur une plage, et sur la plage, il y avait une caverne où il y avait des sortes de mythes. Je sais plus trop. Il y a des crabes. Oh là là. Je sais pas par où commencer, moi. Pourquoi je suis venu ici, au fait? Vous pouvez me le rappeler. Il y a des singes. Il y a des singes. Il y a des singes. Oh, il y a des gorées. Bon, allez, le singe, il est où? Mais il y a des gorées. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu des gorées. Ça me fait plaisir. À mort les gorées. À mort les pincocheurs. À mort. À mort les gorées. What a waste of prime sacrificial meat. Youpi! On a tué les gorées! Vous savez? Oula, 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 ouh, qu'est-ce que tu fais toi là? Qu'est-ce que tu. Vas-y, tu manges mon goré! Mange pas mon goré! Ah ah, ça fait mal ça, madame! Putain! Putain, mais... J'aurais peut-être pas dû t'embêter en fait, madame. Ouais. Donc ça, c'est pas mal l'interaction du fait que tu tues un goré devant une goule, la goule vient pas t'attaquer, elle vient bouffer le goré. Je trouve ça pas mal. C'est une très bonne idée. Oh là 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 là. Oh, il y en a une. I'm going to make a hat out of your skin. Ouh là là, ouh là, ouh là là. Jack, I need... Ouh, hey, le goré, là, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas parce que j'ai tué tes copains qu'il faut que tu viennes m'embêter. Jack, j'ai besoin d'un coup de main, là. Oh lolo. Non, mais vous êtes tous trop balèzes, en fait. Ils sont tous trop balèzes. Ils ont tous des... Tous les PNJ, c'est des mecs qui ont des grosses épées et qui peuvent défoncer tout le monde. Pourquoi? Moi, je sais pas tout ça. C'est abusé, quoi. Totalement abusé. I'm going to make a out of your skin. Maman, j'ai peur. Allez, viens. Viens là, ma petite goule. Je vais te présenter un copain. Il s'appelle Jack. Putain, le sol. Et... Viens. Viens voir papa. Jack, I need a coup de main. Please. Please, Jack. Jack. Voilà. Défonce. Défonce. Défonce.
Voilà, défonce. Défonce la bête. Défonce la bête. Vous avez vu l'épée que Jack il a? Il a une épée épique! Pourquoi moi j'ai pas ça? Oui, je suis jaloux. Je suis jaloux de ce que Jack a et que tous les personnages ont. Ils ont tous des épées épiques. Voilà, aidez! Oh non! T'es sérieux? Maman! Allez, Jack! Non, non, Jack, mais attaque! Jack, Bones, attaque! Attaque la grosse bête! Finally, I get to use my... Vas-y, Jack! Vas-y, attaque! Allez, attaque! C'est bien! Ouh, ça fait mal, j'ai mal. Vas-y, Jack! On compte sur toi! Mauvaise touche. Là, il est un petit peu loin. Là, enfin, il est un petit peu près là. Je suis pas sûr de toucher. Surtout que je vise comme une brêle. Oula, 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 oula. Je vais crever. Ils ont tué Bones. Jack. Jack, t'aurais pu m'aider. Je me suis fait littéralement violer. Mais littéralement. Allez, là je me venge. On s'en fout. Laisse-moi te prendre. J'ai dit on s'en fout. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette partie du board? What do you think of this part of the world? Every tree here stinks of the Inquisition. They conquered the land on some idiotic pretext of wanting to save humanity. They are ignorant and want to destroy us free men. They are narrow-minded, pompous asses. Merci. Maintenant, je peux prendre ma goule. Parfait. Je peux sauvegarder aussi, s'il vous plaît. Voilà. Ouf. Il est là. I'm going to crush a few. S'il peut me suivre, je vais l'emmener voir Jack. Jack! J'ai une grosse bête! Ici! Jack, sors ton épée! Jack! Jack, sors ton épée! Jack, sors ton épée, s'il te plaît! Oh putain, je vais mourir! Allez, Jack! Je compte sur toi, mon vieux!
Allez, Jack! Jack, on compte sur toi. Vas-y, tu peux le faire! Attends, je vais voir si j'ai pas un petit coup de popo, là, quand même, parce que j'ai plus de vie. Vas-y, Jack! Je grignote un peu de popcorn, histoire de te regarder combattre. Jack? Jack? Où es-tu, Jack? Jack! Jack a perdu, mes amis! Jack est mort! Et moi, je suis mal barré. Putain! Jack? Jack, où es-tu, Jack? Mes amis! On a tué. Jack est mort! Putain! Allez! Putain d'enfoiré! Boss, où es-tu quand j'ai besoin de toi? Allez! Allez! Aïe! Aïe! On va éviter de faire venir la grosse pépette. Boots, il est où le dragon? Tu l'as vaincu? Mince, je vais voir Jack. Ouais, je vais piquer son argent. Jack. Jack est inconscient, Jack a perdu le combat. Ah, Jack est de retour. Comment ça va, Jack? Harry. Bon, a priori, t'as toute ta vie, c'est pas mal. On sauvegarde. On sauvegarde. Voilà. Bon, je pense qu'il lui a quand même fait assez mal au dragon. Hein. En espérant qu'il lui a pas... qu'il lui a pas, comment dire... enfin, qu'il s'est pas régénéré, quoi. C'est surtout ça. Voilà. Bon. Pour le moment, Dragon 2, moi et Jack 0. Allez, viens, ma grosse. Putain, il a rien comme vie. Hein. Allez. Hop là, on va faire la technique de Jack. Oulululule. Jack 2, le retour. Jack, I need a coup de main, s'il vous plaît. Jack, baston. Go back into the shadows. Baston! Putain d'enflure! Allez les mecs! Là, à deux, vous devriez pouvoir vous en sortir! Allez! On fonce! Baston! Voire à trois peut-être! Jack est en train de prendre cher. Ouf.
Merci les copains. Du coup, qu'est-ce qu'on peut augmenter là? Oh bah voilà, on l'a eu. On aura mis, je sais pas, 10-15 minutes à le faire, mais on l'aura fait. Et on va pouvoir visiter la grotte. Donc a priori c'était une quête, donc donc on a bien fait d'aller par là. Allez, dites-moi qu'il n'y a plus personne là. Oh non. Vous l'avez vu comme moi. Vous l'avez bien vu. Oh, je pensais qu'il y aurait pas ça, mais si, en fait. Une grosse araignée. Des bananes. Super. On va aller voir, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et je pense qu'on va pas s'aventurer plus que ça, parce que je vais me faire détruire. Dans le 2, c'était les ennemis les plus puissants que j'ai connus. Oh là 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 là, les termites. Il y a des termites. Ah là, là-bas. Je sais pas si je peux vous la montrer. Mais là-bas, c'est ce qu'on appelle une araignée funèbre. Et croyez-moi, c'est le genre de bestiole qui est affreux. Alors j'essaye de brain le jeu pour essayer de grimper, mais a priori, le jeu est plus fort que moi. Ou pas. Not now. Maman, j'ai peur. Bon d'accord, j'ai compris, je ne vais pas ici, très bien. Je vais pas ici, je reviendrai plus tard quand je serai grand. Voilà, donc c'est pas grave. Vous aurez pu voir un aperçu des monstres qui veulent ma peau dans ce jeu. C'est horrible. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on ira au phare dans le prochain épisode, et puis on continuera la visite de Takaligulua. Essayer d'augmenter nos skills pour essayer de combattre un peu mieux, parce que là, c'est un petit peu drôle. Voilà. Et pathétique surtout. Très pathétique. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas, je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous dis à ciao tout le monde, merci d'avoir regardé, et bye bye.